C'est à l'issue de cette rencontre présidée par le préfet du département du Kwilu, Paul Adam Dibouilou, ce lundi 31 mai 2021, qu'il a été décidé une descente sur le terrain à Luango et Diosso. Descente ayant permis au préfet du département du Kwilu de constater l'érection d'un mur de clôture, la construction en matériaux durables d'un site sur cet espace historique de la piste des caravanes et la coupe sauvage des eucalyptus du massif forestier de la société Zebra. Concernant la spoliation de ce site dédié aux esclaves, le préfet du Kwilu et ses administrés sont surpris de la réalisation de ces travaux qui seraient engagés par un présumé expatrié. La clameur publique nous a interpellés, et notamment sur l'érection d'un mur important au niveau de la baie de Luango. Il s'agit des aires protégées qui va intégrer un plan global d'aménagement. C'est un projet qui tient à cœur au président de la République, chef de l'État, qui déjà avait en son temps effectué une visite sur le site afin d'ériger un monument historique pour la mémoire, pour, si vous voulez, conserver la mémoire de nos ancêtres qui ont été déportés. Il s'agit donc là de préserver ces aires protégées. Et il y a même les panneaux qui indiquent que ces aires-là sont donc protégées. Et donc, notre mission à nous, c'est de faire en sorte que ces aires protégées soient non seulement sauvegardées, mais soient conservées. Et donc, l'érection de ce mur, avec un important investissement que nous avons, qui se réalise là-bas, au-delà du mur, nous interpelle. Et nous avons donc voulu identifier le promoteur de ce mur ou de ce projet, et nous l'interrogerons pour savoir s'il a eu une autorisation quelque part ou s'il a des documents conformes qui lui demandent effectivement de réaliser ses travaux.